Thierry Mariani, secrétaire d'État en charge des transports, et son homologue letton, c'était journée découverte à Toulouse. Découverte tout d'abord d'un simulateur ATR 42500, puis découverte du letton. Ce qui, une fois traduit, nous permet de mieux comprendre le but de la visite. Donc, d'ici 2016-2020, il s'agit de renouveler 24 avions. 24 avions d'Air Baltique, la compagnie lettonne, un marché de plusieurs centaines de millions d'euros, avec à la clé des emplois potentiels. Le problème en France, c'est l'emploi. Voilà, quand on est, je le répète, ministre des Transports, c'est le quotidien des gens. Le problème, c'est que les gens arrivent d'un point à un autre aux horaires et en toute sécurité. Et c'est aussi, si possible, que des entreprises qui font honneur à la France créent des emplois. Vous n'allez pas m'expliquer qu'à Toulouse, c'est pas important l'emploi en matière aéronautique. Thierry Mariani qui a également commenté l'affaire Strauss-Kahn à sa façon. Il y a une présomption d'innocence, voilà, je préfère en rester là. J'aurais aimé que ceux qui la réclament aujourd'hui pour Strauss-Kahn aient la même décence pour M. Wirth ou pour beaucoup d'autres. L'homme politique a la dent dure, mais il ne s'agit là par contre d'une découverte pour personne.